Tell that bitch she gotta wait. I'm on my way, I'm on my way. Hey, tell that bitch she gotta wait. Oh, I'm too late. Tell her that she should've waited. Tell that bitch she should've waited. Hey, tell that bitch she should've waited. Hey, what, yeah, hey, wait, wait. I'm on the way. Tell that bitch she gotta wait. I'm on my way, I'm on my way. Hey, tell that bitch she gotta wait. Oh, I'm too late. Tell that bitch she should've waited. Tell that bitch she should've waited. Hey, tell that bitch she should've waited. Wait, what, yeah. I feel like drinking on nine. I feel like, yeah, no way. Aujourd'hui dans la deuxième partie du coup de la vidéo, je vous présente les 4 mobs que j'ai achetés. Donc je vous invite à aller voir la première partie que je vais vous mettre juste hop là, juste là en haut. Du coup donc la première partie que je vais vous montrer, donc la 101 et la 102 que j'avais acheté. Et du coup maintenant je vais vous montrer les deux autres mobs juste ici. Alors donc je les ai eu dans cet ordre là. Donc c'est à dire celle-ci et celle-ci. Alors comme vous aviez pu voir, donc la 102 qu'il y avait dans la première vidéo, on l'avait donnée. La 101, je l'avais acheté pour 20€. Et donc, celle-ci. Alors, j'ai les caches. Hein, je les ai juste mis de côté pour pouvoir un peu la nettoyer. Alors, elle était pas comme ça quand je l'ai eu, elle était dégueulasse. Mais sinon, elle était comme ça. J'ai rien touché à part l'esthétique, on va dire. Alors, donc, celle-ci, c'est une 40V. Donc, une type 40, quoi. Mais juste avec un variateur au lieu d'un embrayage fixe, on va dire. Alors celle-ci ne tourne pas, alors je l'ai échangé contre une voiture qu'avait mon père, bref j'en dis pas plus, mais bref ça a été un échange et donc une très belle mob. Alors j'ai une autre sacoche, donc là vous voyez j'ai la sacoche qui va avec, j'en ai une autre la même mais avec au lieu du orange du jaune. Du coup le jour où je trouverai une type 40 jaune, et ben je pourrais mettre dessus. Donc faudrait que je nettoie tout ça d'abord, mais alors le moteur a été refait, donc tout c'est roulement, spi, segmentation, piston changé, bougie neuve, tous les joints neufs, allumage neuf, sauf que à mon avis il va falloir que je rechange le condo parce qu'il n'y a pas d'allumage. Pourtant il y en a là, enfin je sais pas trop comment dire, au fil de la haute tension, qui arrive à la haute tension directement du moteur, quand je fais comme ça, tac, il y a du jus qui arrive. Du coup, à mon avis c'est juste le condo qu'il faudra que je change. Et sinon, normalement elle devrait péter. Donc sur celle-ci, ce que je vais avoir à faire, donc c'est deux pneus. Je pense en tout cas, peut-être pas tout de suite, mais quand je vais vouloir rouler avec, je changerai parce que ils sont bien usés. Vous voyez, bien ouvert sur le côté, celui-là aussi, il faudrait que je la regonfle déjà. En tout cas, voilà. Sinon, elle est très très propre. Hein, voilà, elle est vraiment dans un super beau jus, la peinture. Elle est très très belle. Alors, il y a juste des petites taches jaunes, je sais pas si. Pas trop d'où ça vient. Je pense que c'est. Il m'avait dit le mec quand il l'avait récupéré, c'est sûrement. Qu'elle était contre une vitre ou un truc comme ça, et le soleil a bouffé un peu la peinture. Mais bon. Sinon elle est vraiment belle et la peinture est très très cool. Il y a des endroits à nettoyer hein, bien sûr. Mais sinon elle est vraiment belle. Alors pareil, les caches sont dans le même état. Les carters. Il y a encore le petit truc plein du concessionnaire. Alors ça je trouvais ça marrant. Voyez. Enfin bref, celle-ci je pense que vous allez la voir très très vite arriver. Genre la selle a changé aussi. Les poignées. Mais du coup celle-ci, comme il n'y aura pas grand chose à faire. Et bien, faut que je commande tout ça et puis on va sûrement le faire en vidéo. Hein. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, j'aurai les soufflets à faire. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que c'est un super beau projet celle-ci. Du coup, je pense que je pourrais faire ça en vidéo. Maintenant, celle-ci. Alors, donc c'est une 103 Vogue. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire ouais, c'est une 103 Vogue, c'est moche, ça fait pas collection. T'as des vieilles mobs comme ça, pourquoi est-ce que t'as ça, machin. Bon, bref, j'ai eu les mêmes sur Facebook en message privé qui m'ont dit non, c'est une Vogue. Bon. C'est une Vogue, mais c'est une phase 2. Donc elle est de 91 ou 92. Je sais plus, j'avais vu sur la jante. Et qu'elle est née, elle était, je sais plus. De l'autre côté. Il n'y a pas marqué, mince. Il me semblait que j'avais vu. Pourtant, hein, peut-être sur celle arrière. Mais... juste là, voilà, il y a marqué, il y a 91. Donc voilà, le chrome est en nickel état, incroyable. Mais par contre, la roue est dégueulasse. Mais vous voyez là, j'ai juste nettoyé, hein, c'était comme ça avant. J'ai juste mis un tout petit coup de truc, parce que vous voyez, ça part nickel. Vous voyez, c'est juste de la saleté, par rapport à celle-ci où c'est vraiment rouillé. Quoi. Donc bon, alors du coup, comme je disais, donc c'est une phase 2 de 91, alors modèle vraiment rare. Pas eu beaucoup, elles ont été vendues que une année à ce que j'ai vu à peu près. Elles ont été mises en commercialisation pardon, une seule année puis après terminées.
Du coup voilà, alors le coup de pas de bol que j'ai eu, elle a été repeinte au pinceau dégueulasse. Vous voyez. Alors du coup je vais essayer de rattraper, alors j'espère que ça n'a pas été poncé en dessous. Vous voyez, j'ai essayé de rattraper à l'acétone un petit peu et on voit encore la teinte du dessous. Du coup peut-être qu'il y a moyen que je rattrape un peu partout. Ça serait vraiment cool. Celle-ci est déjà immatriculée. Hein. J'ai la plaque à l'arrière qui se barre, mais j'en ai une de plaque. Voilà, alors j'aurai le plateau à changer. Alors en fait, elle tourne nickel. Attendez, je vais voir si je peux la démarrer. Même s'il y a une main, c'est pas facile. Voilà. On a la mise au point. Voilà, ça tombe très très bien. Mais par contre, elle déraille tout le temps. Alors du coup, le kitchen est déglingué. On peut voir juste ici, bon, il y a de la merde dedans, mais vous voyez, le kitchen en fait elle est dessus, et hop là, elle est plus sur les dents. Donc les dents sont bien pointues, donc je changerai les dents, je changerai la chaîne, je changerai le plateau qui n'est pas d'origine. Alors malheureusement, le cache là est déglingué parce qu'en fait, quand je l'ai eu, alors j'ai juste changé la pédale et le comment ça s'appelle, la clavette, parce que en fait, l'autre pédale était complètement tordue, comme celle qui est de l'autre côté en fait. La pédale, quand elle venait, en fait, elle prenait le carter, en fait, et du coup, le mec, il s'en battait les couilles, celui qui l'a vendu. Et en gros, le carter, il venait avec, comme ça, ça tirait le carter, et du coup, en fait, il a tout arraché à force de pédaler comme un con. Bref, et du coup, bah, ça a un peu bouffé le carter, mais bon. Je pourrais rien faire, j'irai le remettre avec des clous, avec la technique de faire chauffer des clous par l'intérieur, pour essayer de le recoller, quoi. Enfin, bref, du coup, là, j'ai mis une pédale provisoire, mais je changerai ça, je remettrai des chromés comme à l'origine. Je remettrai un plateau neuf noir. Donc comme j'ai dit, kitchen, nettoyage de roue, je vais essayer de rattraper la peinture. Ce serait vraiment bien, vous voyez, parce que ça a été fait un peu partout, mais putain, ce que c'est moche. J'aimerais vraiment pouvoir réussir à rattraper vraiment tout, ce serait vraiment cool. Ça, c'est des carters que j'ai trouvé, parce que, enfin, lesquels je boîte à outils, parce que ça, c'est introuvable, j'en ai pas trouvé. Et j'ai eu juste une chance, c'est que il y avait un mec près de chez moi qui en avait, et du coup, je suis allé chercher, j'ai payé 20 balles la paire. Alors c'est pas exactement le bon modèle, mais ça fera l'affaire en attendant que j'arrive à trouver les bons. Il y a juste un truc qu'il faut que j'arrive à faire, c'est les faire tenir. Il faut que je trouve des vis qui aillent bien dessus. Mais voilà, sinon ils sont assez clean. Ils sont juste pas de la bonne teinte, quoi. Parce qu'à la base ça va sur les mêmes modèles mais en blanc. Et du coup pareil, celui-là qui ira de l'autre côté, bon je le mettrai en attendant et puis ça le fera. Ça je dégagerai, je pense qu'il est bien dessus. Donc voilà, je pense que la priorité du coup ça va être faire pour qu'elle roule bien, parce que sinon elle déraille, du coup kitchen machin, après on va essayer de retrouver une peinture sympa en dessous, et puis ben, en fait il n'y aura rien d'autre à faire. Comme il y a déjà la carte grise, donc j'aurais plus qu'à la mettre à mon nom, puis voilà. Sinon nickel, j'ai payé 100€ celle-ci. Donc en fait c'était le frère d'un ami qui l'avait, je l'avais vu l'année dernière, ouais ça doit faire ouais vraiment ouais 10 mois comme ça, je l'avais vu en juin l'année dernière. Puis là, il y a quoi, il y a 3 semaines ou un mois, il me dit bah tiens mon frère il veut la vendre mon pote. Et il me dit par contre il en veut 180 balles. Puis moi j'ai dit que j'en mettais 100. Puis après il m'a dit non je veux pas pour 100. Après du coup 150, il est descendu. Après il est descendu à 125, puis au final bah, je l'ai eu pour 100. Hein, voilà. Pour moi ça valait pas plus, étant donné que c'est un modèle que je trouve sympa dans cette teinte là, mais sinon les Vogue. Voilà, du coup bon je suis content de mon achat. Vu que ça va aller dans ma collection quoi. Enfin voilà, du coup bon, voilà, comme j'ai dit, pour moi celle-ci, j'en suis content. J'aurai juste un peu de taf du coup comme les autres. Et surtout ça va être ça. Et vraiment ce qui me fait peur c'est de retrouver une carrosserie toute foncée en dessous. Et ça me ferait vraiment chier. Et en plus à repeindre, laisse tomber, parce que ces autocollants là. Impossible à retrouver. Donc bref, j'essaierai de retrouver. Bon déjà à mon avis ici ça n'a pas été peint, enfin ça n'a pas été poncé. On voit de l'autre côté ça n'a pas été peint de l'autre côté. Donc il a vraiment fait ça au pinceau vite fait à mon avis. Même sûr, donc bon. J'essaie de retrouver la teinte, elle fait propre de loin, mais elle est loin d'être propre. Enfin bon. Ça va être sympa pour les promenades ça par contre. Ça, parce que ça roule bien, vraiment bien. Donc ça la pêche et tout, du coup celle-ci c'est une mob que je garderai. Enfin celle-ci aussi, bon, comme 99% des mobs que j'ai dans ma collection. Et du coup bah voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à l'écrire en commentaire et surtout vous, abonne-toi.